réservé au Kiwi à Winnipeg. Il se trouve assez près de la ville et on y retrouve une piscine pour Émilie. L'eau bonne, ça veut dire et rafraîchissante? C'est ça. Ce n'est pas un énorme camping, mais bien convenable pour les quelques jours que nous y avons passé. Émilie et moi font célébrer le jour du Canada dans les environs. Elle s'est fait faire un tatouage au henné. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ces outils ont été créés depuis des milliers d'années par des personnes de tous les pays. Le Musée pour les droits de la personne a été un coup de cœur pour nous. Tu vas tout en bas? Regarde tout en bas. Ouais. Un autre coup de cœur pour nous a été le zoo de Winnipeg. Il n'est pas très grand si on le compare au zoo de Granby ou au zoo de Toronto, mais très sympathique. Émilie a beaucoup aimé le panda roux après avoir vu le film. Ben, c'est ça. Donc, nous sommes au parc provincial Beaudry Provincial Park. On fait une petite randonnée. La randonnée a été de très courte durée. Il y avait tellement de moustiques. On ne vous la recommande pas en plein cœur de juillet. Il n'y avait pas grand choix de camping à Regina et en fait, les avis étaient tous très critiques et ce, de tous les campings. Nous avons pris un site au camping Buffalo Lookout qui était adéquat pour nos besoins de passage car le but était de passer du temps avec des amis. Un autre coup de cœur a été le centre des sciences à Regina. C'est vraiment orienté pour les enfants et Émilie et son amie ont adoré. Premièrement, tu fais un cercle avec les bâtons. Derrière toi. C'est une là et une autre fille en dessous de moi. Il y a un chien qui court. Oui. Et je suis très sportive. Notre dernière portion du voyage des prairies avant d'arriver aux Rocheuses a été de Regina à Medicine Hat, en Alberta. Donc, nous sommes au camping Gas City. Medicine Hat en Alberta. Puis on voit les collines environnantes. Au loin, l'autoroute. Et il fait chaud. Il fait tellement chaud aujourd'hui. Mais c'est quand même bien. Donc il y a un super parc à chiens. Comme nous quittons demain matin, assez tôt, ben, pour nous, nous avons décidé de ne pas décrocher la roulotte du camion. Hey!
N'oubliez pas d'aimer et de s'abonner afin de recevoir les notifications lorsque de nouvelles vidéos sont téléchargées.